Monsieur, bonjour. Les pires réquisitions du véhicule, c'est pour un exercice. J'ai un flag de deal à l'aéroport, une personne à vélo. Ça va 36 en... Vous que je s'il vous plaît. Autre truc, faut pas être trop près de la portière. Et vous êtes là, vous? Oui. Eh ben, 52, faites service. Biscotte. Ouais. Bonne fin de service. Oui, merci, oui. Merci beaucoup, Just Call, pour le 10e mois d'abonnement. Merci énormément pour le tiers. Mettez-vous dedans. Mais non! On a besoin d'une voix grave comme vous. Eh oui? Ouais. Faire un truc genre. Ouais, aux portes du pays. Ah ouais, ouais. 10-31 en cours sur une telle guetteur grise, Vinewood Boulevard. Direct. Ouais, voilà, allô? Oui, et vous? Et ouais! 10-5, 10-29, ouais. Sur une telle guetteur. Allumez le feu! Attendez, fermez l'âme! Excusez-moi, 90, c'est roulé. Pourquoi il pleurait, vous savez? Mais je sais pas, il faisait genre comme ça. Attends, il faisait comme ça. Comme ça. Oui, comme ça à peu près, oui. Ok. Alors là, vous voyez, ça fait combien là? Ça fait une minute là. El Rancho Boulevard. Ah non, on repart dans les champs de... On est en bas des champs de pétrole là, dans les petits chemins de terre. On remonte. Wow. Oh. C'est pas un col valide. Ouais. Wow. Et on fait des sauts. On redescend El Rancho Boulevard, direction sud. Qu'est-ce qu'il y a, j'essaie de me rapprocher de vous. Hein. Mais non, mais en vrai. C'est plus un peu les maris, non? Comment? Ça suce un peu les maris, non? Je l'ai jamais connu. Ah non, je pars sur les motos pour le coup. 14 reprises de proposition. On rigole bien quand même, hein. Merde, attendez, faut que je retire l'écho. Merde. Et 19. Et je me suis pris une attaque de caddie de golf au gouvernement. Mettez-vous à l'abri, Vous avez un parapluie? 15. Ils viennent sortir dehors. Cadet, dites au gouverneur de rentrer toute urgence. Wow. Cadet, dépêchez-vous, mettez en sécurité le gouverneur. Vas-y, je me rapproche. Putain. Le capitaine devant. Oui, c'est. Madame 03, c'est intermédiaire. T'as fouillé dans les poubelles? Et 10-4. Vous allez bien mieux que ça, capitaine. Bah, de quoi? Mais non, mais j'ai jeté des trucs périmés. C'est une blague. Ah oui, d'ailleurs, faudra en parler, capitaine. De quoi? De interdire les gens de prendre la bouffe dans le frigo. J'étais à 20 mètres de haut avec la moto là, je faisais les sauts pas possibles. Bah merde, vous avez battu un record là, kid. Eh non, c'est l'autre que je suis qui a battu le record et moi j'ai moins vite, hein. Ah oui, d'accord, oui. Eh oui. Non. Eh, félicitations, pile poulain, hein. Merci. Bah merci, oui. Je me dis que des fois c'est un peu grâce à moi quand même. Bah c'est. Vous avez le droit de dire que c'est moi, j'ai Ouais, bah c'est pas eux qui avaient fait toute la formation avant là, tout lui apprendre au gamin là, hein. Bah,
Toute l'élite du LSPI. Oui, oui, oui. Pipou échappe à la lave, attention. Ah oui, Pipou échappe. Pipou échappe. Ouais, allez-y, Pipou échappe là. Ouais, Pipou. Je crois que c'est l'élite là. Ouais. 51, 10, 5. Ah, ça me fait plaisir quand je joue à l'SPD comme ça, oui. C'est vrai qu'on est pas mauvais quand même. 10-0-0. Qu'est-ce qui. Attendez, parce qu'il y a une alerte. Attendez, nous, mais tu reviens. Oui, j'entends. Bon, donnez-moi 1000 balles là, vous me faites pitié avec votre palette là. Non, non. Ça va aller, vous inquiétez pas. Je vous les rendrai plus tard, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, Pipoula. Votre réputation vous précède, avec qui là. Vous ne pas avec vous. Comment ça 1000 balles, je suis. Bah, c'est bon. Oh non. Tenez, je ne vous ai pas donné d'argent. Bah. Non. Bah, 74, avez posé cette mallette là, c'est pas du travail de se promener avec une mallette comme ça là. Bah, bah, bah. Hier, vous avez posé une question sur le bouton, c'était où le bouton pour allumer la torche. Oui. Vous avez dit c'est un bouton, c'est sur le bouton, mais je vous disais c'est quoi le bouton, et vous disiez c'est le bouton. Ah oui, oui, d'accord, ouais. Ok, et d'accord. Après, vous avez dit, bah dis donc, c'est pas si compliqué d'appuyer sur un bouton. Mais oui, oui, c'est un bouton quoi, oui, d'accord. Et, ouais. Et vous trouvez que c'est en. C'est assez pour. Enfin, vous trouvez vraiment que je les agrappe et vous pourriez être à point à vous en plaindre à nos supérieurs? Non, bah ça par contre, non. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Mais non, mais c'est pour savoir à quel point je suis désagréable. Bah, vous êtes désagréable, mais je pense que c'est votre façon de parler qui. Ah, oui, d'accord, oui. Mais j'essaye de me corriger de jour en jour, vous savez, 77. Hein. Ah, oui, j'imagine bien, mais je peux vous donner des cours si vous voulez de parlage. Ouais, non, c'est bon, j'ai pas besoin de cours de votre part, non, c'est bon. Ah, bon, ok, voilà, vous êtes super désagréable, allez-vous, hein. Regardez, je vais vous apprendre comment faut faire avec le haut gradé. D'accord. Ne dites rien et écoutez. Très bien. Je vous tais. Et capitaine. Oui. Oui, le dépanneur, il est tout seul. Allez faire ce que vous avez à faire, vous avez mieux à faire, je pense, que de surveiller un brawler retourné, on va s'en occuper, mais si vous voulez. D'accord, parce que c'est gentil, hein, oui. Je vais rester. Mais j'espère juste qu'il est au courant que c'est dans la crevasse, quoi. Oui, oui, il va le voir quand il va arriver au-dessus, vous inquiétez pas, capitaine. Ça marche, merci, Kid. De rien. Appelez. Là, cadet. Eh, je comprends, je comprends. Vous êtes malin. Eh oui. C'est pas possible. Incroyable. Ouais, donc, voilà quoi. Et je préfère autant me beurrer la biscotte, tu vois ce que je dis. Bah oui, 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 oui. Bah oui, écoutez, là. On est dans le même cas de figure, Kit. Faut s'astiquer le poireau, hein. Eh, ça veut dire ça, j'aime me beurrer la biscotte. Ils ont l'air parmi mon côté. Oui. Ah merde. Tout ce qui est dans la 109 reste dans la 109, quitte. Eh. Ah non, je pensais pas que ça voulait dire ça, mais. Allez. Oui, et oui. Chapman, arrêtez où je vous en prie. Voilà, relevez-vous tout doucement. Il assume pas, mais ça déconne, c'est pas grave. Mais là, on parle d'un service public. On parle d'un service public. Possible, c'est comme vous voulez, si les cons vous mettez en. C'est une condamnation pénale, c'est une condamnation du code du travail. Ça reste une condamnation. Et en plus, ils disent police. Discat, my bad. Qu'il n'y a aucun souci. Oh, Discat, c'est bon. Ah, bah si, c'est un vieux. Félicitations. Écoutez, on peut vous faire avancer, mais on va être obligé de vous fouiller, monsieur.
Bah, vous pouvez me fouiller, hein, y a pas de problème. Ah oui. Alors, là, c'est que vous risquez de trouver une petite chose. C'est-à-dire enfin, vous verrez bien. Oui, non, mais. Soyez honnête. Oui, soyez honnête. Ça vous intéresse une poupée gonflable? 55. Pourquoi moi tout de suite? Mais non, mais je vous demande. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai une tête à faire que oui. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas. Alors, peut-être vous. Bah ouais, bah pourquoi vous demandez moi? Pourquoi pas. Il y a un collègue ou machin, c'est moi. Bah parce que vous êtes à côté de moi, je vais quand même pas les demander à Gullwen. J'ai aussi un gilet pare-balles, mais bon, c'est un gilet de presse. Ouais, c'est que je travaillais aux News. Ah, d'accord. Reporter. Voilà. On va vous faire confiance, monsieur, on va pas vous fouiller. Oh, vous pouvez, hein, y a pas de problème. Non. Par contre, pas de geste que Bruce. Eh, si j'ai bien compris. 52 pour 09. On retire le barrage qu'on avait mis, on le déplace, c'est ça. DS4. Putain, mais pourquoi il a mis des airs là, lui? On a mis des airs d'une part, il a mis des airs là. C'est vous, Cadet, qui a mis des airs là? Non, je. Putain, bon, déplacez tout le radar, le. Bah, allez, retirez tout là, Cadet là. Oui. Ça va, quelque chose, merde! Sur le barrage Bénis. On a fait un spiel, les premières ou les dernières? Oh, voilà. Ah oui, je suis tout à fait satisfait de mon deuxième cas d'air. J'ai réussi à regarder. Moi, ils sont tous morts. Oui, ils oui, sont bonjour. Tous morts. Histoire que tout le monde se calme. C'est au moins sur les lignes. C'est bon? Allez. 3, 2, clap! Oh, c'est can you see? Pas se donner l'île. What? What's lightning? Attendez, y'a rien qui vole. C'est n'importe quoi là. Clair, the bombers singing air. Réouvre the night, butterfly. Concentrez sur moi là. Low power street, direction nord. Ah, mais si c'est pour faire ça doubler puis s'arrêter au feu rouge là. Mais s'il vous plaît là, hein. Oh, hé hey. Vous allez vous calmer, oui. Pour info, le SUV bleu m'a empêché de partir en poursuite. 52 du coup. Oui, c'est ça, oui. Donc, barrez la route et m'habite. 10-4, broker, c'est intérieur du Novak bleu. Ok, souris. Mais les panneaux de la ville. Mais il nous fait des doigts. Il nous fait des doigts d'honneur, le maire, vous avez vu? Le maire. Oui, je crois que c'était le maire, oui. Ah, merde, bah, télé. Mettez votre point où vous êtes. Non, mais il conduit. Mais vous arrêtez! On décharge, on l'amende dans le super. Il y a Harper qui est à l'entrée du Comico. Bah, ils ont peut-être pas besoin de nous si on lève le barrage. Ah merde. Pas tourner au bon endroit de tout du coup. Ah, vous pouvez vous énerver, c'est bon, hein. Ah non, moi, je me fais rire, hein. Ouais, j'ai pas compris, fallait qu'on fasse quoi, du coup? Ouais, je sais pas, qu'on rentre au commissariat. De toute façon, au bout d'une heure, qu'est-ce que vous voulez qu'on soit opérationnel? Une heure et quart à attendre comme des cons, là. Hop, olé, olé, voilà. 95, on est disponible pour... Olé, olé. Et ben voilà, comme ça, c'est fait. C'est 4. Ah, merde. Et 202 pour les unités qui vont monter sur la PO, ne passer côté de nord sur. Ça ira pour cette fois. Mais merci, monsieur Pierce. De rien, de rien. Vas-y, je vais la garer peut-être. Ah, monsieur Pierce, vous habitez toujours au 234 Calafia Road, c'est ça? On peut être caché, Pierce. Thank you.
Faites quand même attention à vous, Kid. Eh ben, chuchez-moi, c'est une propriété privée derrière le grillage. Oui, je. Je me doute bien, Kid. Oui. Là, ils peuvent vite. Faites quand même attention à vous. Oui, oui, vous inquiétez pas, oui. Et... Bon, s'il y a un souci, de toute façon, vous faites un call. Hein. Oui, mais moi, je vais surveiller un peu ce qui se passe dans la rue, là. Je suis parti. Ah, il y a quelqu'un. Ah. Bonjour. Oui. Ah, ben, c'est un nouveau voisin aussi, je pense. Vous avez vu, il a pris la petite ruelle. C'est pas un voisin, monsieur Kid. Ah bon? C'est Limousin, ça. Ah, c'est Limousin? Oui, c'est Limousin. Ah, mais je l'ai jamais vu. Ah oui? Et il habite dans quoi, quand même, du coup, non? Ah oui, mais il habite à Forum, lui. Il habite pas loin. Et c'est un quartier qui bouge, c'est important. C'est un quartier. La candidature d'un mec qui n'avait pas le droit de rejoindre le SPD? Mais c'est une candidature, c'est pas un recrutement. Ah, oui, en fait, c'est Magouille et compagnie, quoi, que des. Ah bah non, oui, c'est appliqué. Oui, c'est sûr. Pas moi, que des. C'est-à-dire, moi, pas le droit d'être recruté si un licenciement est 30 jours, mais que des, de postuler. Et écoutez, que des, je demande pas votre avis quand tout le monde droit ou ce droit, que des, d'accord. Bonsoir à tous. Vous n'avez pas de l'idée qu'il y a quand même Anguille sous rush, là. Bah, vous avez le droit de penser. Vous pensez que je suis un pistonnet? Oh, loin de là, cette idée, Cadet. Ça reste dans la patrouille. Oh, oh non, Cadet, non, non, non. Non. Vous l'avez dit vous-même, 31 jours. C'est mieux de travailler dans la franchise, en honnêteté. Hein, eh oui. Ouais, un petit peu quand même, Cadet. Ouais, voilà. Bah, vous avez le droit de penser. Enfin, bon, ça, c'est une chose. Je pose la question. Non, non. Et bim, voilà. Et ça, c'est un abruti de buzz. Ah oui. Eh ben, t'as sacré con, hein. Tiens, ben, on va le contrôler, tiens. Pardon, je disais, regardez, il est prêt à me taper dessus, le mec. Ils sont prêts à vouloir essayer de rentrer dans le titan. Fermez les véhicules. Kid, arrêtez avec fermer les véhicules si vous voulez. Je vous allez prendre mon titan, vous allez voir. Eh, dis donc. Du calme, s'il vous plaît, en radio. Eh, c'est pas dur de l'énerver, le shérif, hein. Ah bah vous savez, il a son caractère. C'est quoi les tirs? C'est moi. Oh, prévenez qu'on vous tire, il en odieux. Ouais, il m'a sorti de l'autre, il a voulu faire la même. Pareil, la même. Et fermez vos véhicules, hein. Oui, non mais c'est pareil. Non mais il va courir, fermez là, bande de bouffe. Ouais, il suffit de ponter. Bah ouais, ouais, faut fermer ses véhicules, hein. Eh oui, hein, c'est un lieutenant, un shérif en plus. Un manque d'expérience, invisible. Qui est en feu, c'est bon. 25, 10, 20. Eh putain, pour les énerver, il faut pas grand chose, hein. C'est reçu. Groove là, le Goliath, la groove là, vous êtes sécure là, on est bien d'accord. Ok, je vais prendre les trois speedy avec moi, je vais les faire monter. Mais pas nous donner. Vous allez au paradise. Eh ben, on peut pas. Là, hein. On peut pas, on est bloqué là. Et chut, l'état. Pour si vous me donnez un petit pourboire, peut-être que je peux vous ramener un peu d'alcool. Chut. Bonjour, monsieur l'agent. Oui, j'ai mal entendu. Oui, madame, faut bon. Oui, madame, vous avez parlé de quoi? Eh, bonsoir, lieutenant, ça va, lieutenant? Encore, j'ai pas actualisé, j'ai je pas. Je vais mettre une amende, monsieur Kidd. Pourquoi? Pour outrage. Oui, mais. Ah, mais excusez-moi, monsieur le gouverneur, excusez-moi, je me suis trompé. Je plaisante. En plus, je vous appelais pour une bonne nouvelle. Ce soir, vous serez en toute sécurité, c'est moi qui vous. Aïe! Supérieur, vous allez il bien est mort. Il est mort. On a des collègues qui sont pris des balles. On a des collègues qui ont été couchés. On a des collègues qui sont aujourd'hui dehors. C'est Pipoulin. Je le répéterai pas. Dehors. Les effusions de joie, ça dégage. Oh, je suis... Pourquoi il a fait ça, lui? Pour l'affiche de Johnson... Ouais. C'est normal de lui faire passer sa poursuite avant les bases? Alors ça, c'est pas moi qui lui ai fait passer. Ou même qu'aucun renseignement est donné, on sait même pas s'il a ses permis.
Sur 8 et 95 Hélène Adam. Et moi j'ai un message du 10 janvier. Il est capable de passer officier, il connaît assez bien la ville et les procédures et a de bons réflexes. Qui a dit ça? 64-16. Officier supérieur Kid. Son propre référent. Après. Valide. Après. Non, il y a pas après, il y a pas de après. Quoi, j'ai après, pas quoi dit... après. Là dans ce que j'ai écrit, j'ai pas parlé de permis. Mais oui, mais oui, vous validez qu'il peut monter. Il peut pas monter avant d'être poids lourd en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais vraiment. Ah, c'est peut-être une erreur de ma part, oui. Vous vous chargez qu'il fasse ça rapidement. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'ai... Ouais, ça tout de suite. Oui. Et commissaire, ce que vous avez dit à faire, c'était très beau, en tout cas. Et je tenais à rappeler que personne n'est mort. Et ça, c'est le principal. Je vais vous soulever, Kid. Bonne soirée. N'oubliez pas les hélicos, Kid. Oui, 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 capitaine. Juste comme ça, il n'y a plus de lits de tous les servants de première fin de service et Bonjour. Dites-vous que c'est des choses qui arrivent, faut pas être à l'aise avec vous et Oui, oui, oui. Enfin... Je vais lui faire la tête au carré, c'est sûr. Buddy. Quoi? Tu sais, des fois, j'ai des trucs pendant les fake games, t'en tiens pas rigueur, hein. Comment ça? Ah, quand t'as fumé le gros teuteu et que t'as dit fuck les cops. J'ai ce fait... genre de truc, là. J'ai fait ça, moi. Ah ouais, t'as fait ça, Ouais, ben je m'en souviens pas. Ah ouais, Attends, je vais la ressortir, ça. Oui, bonjour, je vous dérange? Non, désolé, moi. Oui, faudrait remonter, là. Les secteurs, c'est de la merde. Il y a tout le monde le dit, hein, ils continuent avec leur connerie de merde. Attendez, j'ai pas des notes dans qui il a dit que les secteurs sont de nos merdes. Oui, oui, c'est de la merde. Vous pouvez bien insister là-dessus, c'est de la grosse merde. De la grosse merde, 4 points d'exclamation, oui. Oui, et mais rajoutez merde à la fin, si vous voulez. Et merde, ouais, ok. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez faire un petit sondage anonyme dans tout le commissariat et tous les agents vous diront que c'est de la merde. Ok, sondage anonyme. Ok, c'est noté, Kid. Mais ça, faut le remonter aussi, là, hein. Oui, monsieur. Ah oui, d'accord. Bon, ben, je compte sur vous, alors, hein. Oui, ça marche, Kid. Parce que c'est vraiment de la merde. Oui, Kid, ça marche. Merci. Bonne soirée, Kid. Jeunesse Circulez, messieurs. Jeunesse. Oui, merci, Jeunesse. Oui. Ouais, ouais, bah là, il va réveiller, là. Mais calmez-vous, les mecs. Allez, Jeunesse, me lâche pas. Comment on a besoin de toi. Comment il s'appelle, Delos? Jeunesse. Ah, c'est Jeunesse, oui. Allez, Jeunesse. Bonjour police, madame. Oui. Chep, écoutez-moi bien. Hey. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Oui, j'écoute. Oh, vous arrivez que vous voulez vous asseoir là? Oui. Vous êtes haletant un peu, vous haletez de vous asseoir, voyez? Oui, oui. Vous haletez, hein? Oui, oui, j'halte fort là, oui. Oui, oui. Vous haletez en restant très fort haleté. Oui. Oui, mais quand vous haletez quelque chose, vous le regardez. Vous le regardez pas en face de vous, de l'autre côté. Vous haletez. Wow. Mais... mais quoi? Oui, voilà. Mais non! Incroyable! Ah bah je bouge plus! Je crois, hein! Ok, et bah demandez-lui. Demandez-lui. Il y a plus la faute dans le cul, je sais pas. Il y a beaucoup trop de voitures là à l'arrière du commissariat. Et tu vois la matraque, je vais te la faire bouffer, bonhomme là, tu vas voir! Tu vas ta gueule! Je vais te la mettre au carré là, bordel! Oui, bon, Delos, il s'appelle comment le deuxième là en cellule là? Je vais me le faire là. M'insulte de tous les noms, il se fout de ma gueule et compagnie là. Donnez-moi les clés de la cellule, je vais me le faire là.
Bon, vous la fermez là ou quoi là? Vous allez la fermer, bordel? On vous a. Je vais t'attraper, toi, t'es pas. Ah, voilà, voilà le spectacle, voilà, voilà, voilà. Allez, à part parler, tu sais pas faire. Vas-y, attends que j'arrive, je vais mettre dans sa petite cellule, c'est pas le tringle là. Allez, ouais, allez, le spectacle est beaucoup plus beau comme ça, tiens. Bah voilà, tu vois que c'est mieux de parler. Ah oui, 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 continuez, continuez, continuez. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Ah putain, bordel, c'est quoi ce numéro à lui? Oui, alors attendez, je me concentre un petit peu, juste un petit instant. Oui, oui. Madame Dune, pouvez-vous dépêcher à trouver, s'il vous plaît? Je sais pas si c'est écrit comme ça, mais c'est... Parfait, merci. Allez, alors, on me regarde bien. Oui. On me regarde. Et à 3, on crie ça vole délit, d'accord? 1, 2, 3... Ça vole délit. Parfait, c'est magnifique. C'est tout beau. Et quoi c'est? Je sais pas. J'sais pas. C'est des choses qui lui viennent de temps en temps. Ah oui, c'est ça, vu comme ça. Allez, oh putain. Mais non, Léo, merde. Au secours. Au secours. Au secours. Genre, ça pourrait... C'est peut-être arrivé une fois où... Je me suis fait épiler le sif. Ouais, ça va, c'était de Paris, j'ai perdu. Vous êtes fait épiler le sif? Ouais, c'était des paillissons, moi, quoi, encore une fois. Je vous l'ai dit sur mon téléphone, il y a des trucs un peu chelous, quoi. Comment vous écrivez le sinon, là? Parce que je regarde sur Internet, je vois pas où ça... S-I de Zelwen, comme un CEO, quoi, en fait. Eh ben, j'y ai peut-être au week-end prochain, t'as petit poule. Pourquoi? Pourquoi? Et pour voir ce sillon interfécile. Mais ça a repoussé. Il n'y a pas d'esthéticien ici, ça a repoussé. Il fallait peut-être pas mettre ça sur Internet. Ah, ben, Oui, peut-être pas, oui. Ouais, c'est pas... Attention à votre recherche Google. C'est bon, il y a des dégueulasses. Et il fallait se mettre en navigation privée, Kadil. Ah non, bah, moi, j'ai rien à faire de ça, là. Ah oui, mais là, c'est... Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces cons? Ça se fait pousser des couilles pour passer merde, pour embrasser une fille, y'a plus personne. Ah ouais, c'est chaud quand même. On peut pas faire de roue avant. Au magasin d'accessoires, ça veut dire. Ouais, bah on va faire ça, ouais. Allez-y, de toute façon, je suis inspecteur, on a un foot. Bah oui, ah, mais alors par contre, je suis désolé, mais. Quel bonheur! Oh la liberté! Oh là là! Non mais attends, je crois qu'ils savent pas ce qu'ils viennent de lâcher en ville là! Non, non, là ils savent pas là! Attends, je te rends pas compte là, c'est dangereux là. Et vous, au commissariat déjà ou pas? Ouais, juste je vais prendre mes équipements et puis ensuite je vais aller chercher un chapeau parce que. Ouais, enfin, mais je sais pas si t'as pas. Inspecteur. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Oui, oui, ça va, ça va. C'est vrai, c'est quoi, on a les couilles? Là, c'est ton rôle, là. Ouais, je travaille, sergent chef. Ah ouais. Ok, d'accord. Bah, je ne dérange pas plus, hein. Oui. Ouais. Est-ce que je dis aux collègues, là, je vais aller changer mes lunettes de soleil, déjà. Mais d'accord, ok. Ouais, tout à l'heure, sergent chef. Oui, merci. Ouais, tout à l'heure. Cerné, Musa, merde! Musa!
On vous arrêtera coûte que coûte. 19 B sur Monsieur V9 a monté pour. Attention sur les toits. Mets de l'info au plafond. 10-4. LSPD, rendez-vous maintenant. Vous êtes cerné. Now. 10-4. Now. Vérifier une usine en face de la station électrique. Check en cours. Il y a des bulldozers généralement. Pareil. Il y a une voiture électrique orange rentrée et ça fait 2-3 minutes qu'elle est partie. LSPD, 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 LSPD. 10-4. Combien faut le dire, SPD, vous dites? SPD, SPD, SPD! Équipe inspecteur, rendez-vous, rendez-vous! Vous êtes cuit, mus de la merde! C'est la PAC! J'ai une bouteille de whisky, j'ai une bouteille de whisky! Un autre voiture. Ah oui, donc là, il est tout seul. Vous êtes jamais tout seul, vous, des fois? Non, bah, bien sûr que si, mais moi j'ai l'expérience. Hein. Ouais, ouais. C'est toujours. Non, mais là, comme on cherche mes armes, vaut mieux rester toujours par deux. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Je parlerai de mon expérience quand je me ferai renvoyer. Fermez votre gueule. Connard. Ah, non, moi, c'est Chapman, hein. Ouais, ouais. C'est con, celui-là. Ouais. Le commissariat actuellement. Demandez pas une unité 08 désignée là. Là, maintenant. Putain, c'est pas où. Prenez Populaire. Merci. Populaire est tout droit. Ouais. Ah, voiture volée là? Ça sonne? Oui, ça sonne. Là, sous le pont, là, il vient de partir. Là, tout de suite, maintenant, vous allez tout de suite arrêter les recherches, puis vous allez planquer avec une autre oracle, hein, je vous connais. Et là, c'est interdit, là, c'est la priorité, c'est oracle, et après Musa. Non, mais vous vous rendez pas compte, vous imaginez si Musin se sert de l'oracle pour rentrer dans le gouvernement? Ah, bah là, c'est la catastrophe! Putain, mais c'est pas possible, je suis trop con. Putain, mais merde, Chap. Moi, je la ferme tout le temps, la bagnole. Ouais, bah vous ferez mieux fermer votre gueule. Excusez-moi, qui, je me suis un petit peu énervé. Mais c'est pas grave, ouais, je comprends tout à fait. Je suis désolé, vous m'en voulez pas? Non, je savais pas, Chap. Arrêtez-vous! Aïe. Ça dégage! Hop là! Arrêtez-vous! Putain, y'en a un qui part en courant! Arrêtez-vous! C'est le kit! Merde! 1, 2, 3. C'est tout! Yes! Team Inspector! On est bien! Je peux dire, moi, ce que c'est mon. Et moi, ce que je retiens, c'est que vous hésitez pas une seule seconde à partir avec un dollar de quelqu'un d'autre dans votre poche. Hein. Oh, ouais, c'est bon, là, les moralisateurs, là. 1000 balles, hein! 1000 balles, vous me devez, là, vous me parlez d'un dollar, là! C'est non, bon. Non, 799 kids, hein! Ouais, ouais, ouais! 280, est-ce que Augardet a pris contact avec la mairie par rapport à un code de radio? Qu'est-ce que je vis maintenant? Calmez-vous, monsieur. Oui, c'est vrai, Kid, calmez-vous. Eh ben peut-être, mais moi j'ai pas perdu l'oracle. 14, mais je pensais juste pourquoi. J'arrive. Bon, on y va. Oui, on va aller voir 02. Oui, allez, on va aller voir 02, oui. Ah, vous avez arrêté de chialer maintenant, merde. Mais arrêtez parce que là, vraiment, je vais commencer. Arrêtez de me griller dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous a mis un truc là sur le. 8-5, elle a fait demi-tour. Et sur deux motos. Deux motos et un Yuga. Je suis vraiment un pilote. C'est la direction d'art. La gueule, vraiment. On se séparait. Ouais, ça fait du bien pour la température du moteur. Ah bah là oui, il va y respirer là. Gideon Drive, direction S. Bonjour tout le monde. Sur la Lagunas. Je sais plus là, vous mettez des doutes. Bah oui, c'est RP. Mais attends, je viens de tilter en fait.
ça. Bon, j'y vais. Moi j'y vais, moi. Revenu là. Vous êtes bien là, 46, hein? Ah oui, oui, mais je suis étonné que ça prenne pas encore dans la voiture, quoi. Ouais, je crois que vous avez un problème. Aïe! Putain, mais merde! Salope! Ouais, dégage! Je crois que vous avez un problème de. De voix, 46. Non, ça va mieux là. Ah, mais. Mais attendez, j'ai eu le temps de décrocher ma ceinture. Bien sûr. Alors, à la foutre de votre ceinture, regardez, je suis attaché. Vous avez pas essayé? Bah non, je suis plus grand que vous, je suis mature. Et franchement, vous êtes une salope. Hein, vous pouvez toujours crever pour avoir vos 9 dollars. Vous montrer de quoi je suis capable. Oui, oui, mais je me suis... Faute, ok. Let's go, là. Eh, collègue, oh, c'est l'inspecteur, là. Vous me laissez passer, bordel, là. C'est pour qui, lui? Oh, vous chantez bien, hein. C'est vrai? Ah, oui, oui. Vous pouvez continuer? Ouh là là. Et j'ai pissé. Bah écoutez. Ah, mais il y a toute l'élite là. Faut faire attention. Hein. Et bonjour. Hey, salut, je t'aime bien. Bonjour. Ça va et vous, Kid? Du beau monde ici là. Ah, bonjour, inspecteur Cool, vous allez bien? Ah, bah, sir, Chap, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Vous avez bien bossé aujourd'hui, ça va? Ah, j'ai bien inspecté, oui. Ah, bon, vous êtes un inspecteur incroyable, hein, franchement. Ah, merci, c'est gentil, Chap. Ah, bah, non, mais c'est normal, faut dire ce qui est. C'est voilà. Ce qui est. Vous allez bien? Ah, oui, c'est vrai. Eh, merde, je sais pas si c'est un foutage de gueule ou quoi, là. Non, non. Ah, c'est un hommage. Ah, c'est un hommage. C'est un spectacle, ah, bah, mettez-vous devant le micro. Ah, oui, bonjour, bah, oui, c'est un hommage. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ah bah ça va nickel, hein, merci. C'est à se méprendre, hein. Oh putain, il y a duel. Oh là là, oh là là. Une chanson. Ah oui, oui. Si vous voulez, je peux me proposer, je me propose en toute honnêteté, pour enquêter là, sur les vols qu'il y a dans le frigo, là. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu que vous n'étiez pas content. Oui, et vous êtes le premier suspect. Comment ça? Oui, c'est ça, comment ça, ouais. Allez, juste prenez pas, allez voir quoi, c'est gratuit. Vous. Non, c'est des accusations complètement trompeuses. Alors, si je suis au Cartaker et que vous sortez. Si je suis au Cartaker et que je vous vois sortir du frigo, vous pensez que je pense à quoi? Ah oui, mais. Bah, c'est déjà arrivé, non? Je ne crois pas parce que je suis jamais rentré dans le frigo. Quoi? C'est une fois. Si, je suis déjà rentré dans le frigo, mais non, pas. Vous êtes jamais rentré dans le frigo? Oui, si, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans le frigo. Je m'assure que le frigo est bien rempli. Moi aussi, bah, hier j'ai dit. Les inspecteurs prennent à bouffer à Arct. Moi, quand j'y vais, c'est justement pour vérifier les dates de péremption. Hein, c'est vous pouvez pas vous dire ça. Oui, moi je fais pareil. Et comment voulez-vous que le taser, les vitres sont blindées? Vous êtes prêts, qui? Oui, faites attention, hein. Ouais, j'ai bien filé en visu, hein. Mais ben, vous faites un, deux, trois. Un. Deux. Trois. J'ai rien, monsieur le gouverneur! Non, mais c'est scandaleux! Enfin, c'est pas scandaleux que vous ayez rien, hein! Le budget maximal que je peux sortir pour l'instant. Attends, on va quand même écouter là, hein, le budget. Le 29, je viens de mettre une position sur la pompe. Après, dépend, hein! Oui. Ça serait 2 millions d'unités. Oh! Donc un budget total de 6 millions de dollars. Attendez, je vais aux toilettes. C'est où les toilettes? Oh putain, faut traverser ma chambre. Vous êtes mal, vous avez pas bien? Oui, j'ai bouffé de chaleur là. 10-4. Vas-y, c'est la porte au fond. Eh, merci. Je vous attends en bas. Oui, merci.
là. Putain, je me suis fait niquer. Mais comment ça? Et j'ai vu, ils ont vendu un tracteur devant moi. Ils se sont fait flasher. Sauf que c'est connard. Il y a un autre véhicule qui s'est fait flasher en même temps, mais devant le SMS. J'ai pris la mauvaise plaque. Mais non. Putain, et le pire, vous savez quoi le pire? C'est que c'est le même gang. Donc en fait, quand j'ai pris la plaque, j'ai vérifié, j'ai dit ouais, c'est bon. Et après, elle me dit, mais non, mais mon Taurus, moi, c'est moi qui le conduis. Et puis en fait, c'est pas du tout un Taurus que j'ai vu s'enfuir. Putain. Ah oh, merde. Putain, merde. Merde. Ta merde, j'en ai marre, merde! On va vérifier si c'est bien son numéro, il y a quand même. T'en passes? Oui, t'as les joueurs. C'est jour ça? Oh là là, vous sortez d'où là? Vous avez une gueule d'enterrement là? Ah bah, on vient d'un enterrement. Ah merde! Ah merde, de qui? Bah, je suis seul. Ah mince! Ah oui. C'est pas dur de faire une musique, hein? Après, c'est vrai que j'ai pris un beau selfie quand même, hein. C'est vrai que là on pouvait pas faire pire. On est vraiment des cons. Vous êtes fiers de moi, Dicon. Il nous a servi de leçon et que faut repartir sur de bonnes bases. Plutôt la hachette ou la machette? Voilà. Je t'ai pas autorisé à parler, Chapman. Non, mais c'est pas si peu, non, je Non. Vas-y, c'est pleurs, on retire ses larmes, top. On fait pas l'enfant. Merci. Du coup, couteau, hachette, machette. Je peux poser une question? Vas-y. T'as dit, c'est pour qui? Bah, pour toi. Pourquoi? T'aurais répondu différemment, c'était pour Chapman? Ah, ça devient intéressant là, le petit jeu, moi j'aime bien. Kid, vous avez répondu quoi pour moi? Vous avez pas le droit de parler, Chap. Après, il marque un point quand même, vous avez répondu quoi pour lui? Ouais, je sais pas. Bah, pas falloir répondre. When Jesus smoke! Oh, happy day! Oh, happy day! La 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 la. Oh, happy day. Je peux être... Ah bah il a calé au niveau de... Il abandonne la voiture. Oh, il y a les brokers. Oh, ça part en couille là. Oh, ça part en couille à la station. Banane Canyon là. Banane Canyon, station essence. On s'en occupe et on vous le laisse après. Hein. Il y a une dizaine de brokers et là ils s'en prennent au mec parce que le mec il a failli les taper quoi. Et l'autoroute est parti direction là. Ah non, c'est ça qui prend l'essence. Excusez-moi, je vais vous demander de faire une essence de Banane Canyon. Ah oui, non, mais attendez, le contrôle, c'est pour moi celui-là, c'est moi qui étais derrière lui. Hein. Oui, bah chacun son tour en arrivant en premier. Non, c'est moi qui étais en premier sur lui là. Moi je t'ai connu pour bonjour, buter, premier, là. Lyon, comment ça va? Bah attendez, je vais juste à côté voir ce qui se passe. C'est quoi? On vous le rend en 30 secondes, à un moment donné, on a fait exploser. Ah, vous avez pas fait un contrôle, on vous a dit. Plus qu'à sécher un garde là, et puis ça moi, ira je bien. Je pense que pour VB, il faudrait mettre quelqu'un qui sache être aussi con qu'eux. Oui. Tempeste. Ouais, mais en fait. Non, moi je pense à Kid. Hein. Ah non. Déjà, en fait, le truc, c'est que. Ah non. Une fois, hein.
vous êtes, c'est vous qui faites le recap d'un gang, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir de lien d'affinité en particulier, c'est juste vous vous renseignez, bah, des adresses et tout. Ah oui, oui, mais ouais. Oui, le problème, c'est pour justement c'est juste... se renseigner. Les spouchis, ils sont ouverts, on a un petit totem chinois. Ça remonte devant le parking multicolore. Ah merde. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il prend comme essai? Maintenant vous descendez et vous trouvez quelqu'un qui vous démenote. Et vous dégagez d'ici. D'accord. Ça fait un bel article ça. Oh putain! 52, je prends un fin de service. 14, fin de service. Et 52, fin de service. Ok, bah, capitaine Walter Deacon. Ça fait plus d'un an que je suis au Speedy maintenant. Et bah, les forts, je viens d'être. Et si je perds le fort, on m'entend la télé capitaine. Ou pas? On m'entend la télé? Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Vous cherchez toujours une petite usinette? On m'entend la télé? C'est moi, c'est Freddy Kid! J'en suis fier. 18, j'arrive vous chercher. On a encore un peu de temps, on a encore la base militaire. Ça! Commissaire. Mettez ça, il touche. Votre banquier va faire une crise en mec. Ça! Oh merde. Oh putain. 14 en plus de patrouille. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On y va, monsieur le commissaire, monsieur le gouverneur. Alors, soit c'est maire, soit c'est commissaire. Mais là, je suis complètement déboussolé, là. Vous êtes en bon usage, hein. Ah oui, vous inquiétez pas, oui. 51, 35, et du coup, officiellement, c'est quoi, l'heure? Décollage et début de formation. De quoi? Le prix? Oui, oui. Officiellement? Oui. Il blesse où, là? Oh, c'est pas con, ça. Ouais, ouais, mais je vois ça, mais vous avez... Guide, tu sais pas s'ils ont fait une commande au commissariat? Ah, mais merde, les chaussures. Attends, je dis qu'il a de belles chaussures blanches. Ah, merde. C'est magnifique. Je suis cher que je t'ai compris. De quoi? 72 devient Lincoln Marie. Début de patrouille. Ça veut rien dire Lincoln Marie, non? Ouais, je sais pas. Marie Foucault, c'est bien aussi. Ah ouais, j'avais dit, hein. Et 10-4 à vous pour votre Adam 26. Hâte de voir une Adam Marie, du coup. Ah, y'a le bleu, y'a le Yuga bleu là qui vient de revenir. Quelle direction? Merde, putain, elle a calé ma fuite de merde! Milton Road, Nord. 10-4. Du coup voilà. Et au revoir les inspecteurs à demain. Ah non merde, pardon, c'est pas le radio inspecteur, excusez-moi. Oui, demain, demain. C'est pas grave, 52, à demain. À demain quand même. À demain. À demain. Au revoir inspecteur. Des bisous. Oui, des bisous. À boulette. C'est vous? Eh oui, c'est moi. Attendez, attendez, c'est quoi cette voiture là? C'est une SC1. Quel connard. Quel connard. Attends, parce que moi par contre elle est blindée là. Mais elle est... Enfin Kid, elle est toute abîmée votre voiture là. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Non, c'était sur la petite réunion, savoir si on était... Oui, si merde était après j'ai eu un message pas bon là. Non, après ce qui s'est passé avec DP. Oui, quand on s'est planté avec Sylvain. Ce jour on a chopé Blink. Bon, alors, je sais pas, ça s'est passé il y a 3 semaines. Arrêtez, j'allais apprendre que j'ai le cancer. Dans le système derrière le commissariat, là.
Possible, oui, très certainement. Ah oui, cette merveilleuse opération d'ailleurs, oui. Oui, oui. Mais vous aviez été intenable en interrogatoire. Et faut que je le prenne comment, lui, au moins Ah, parce que moi je vous explique, hein. La couleur ne plaît peut-être pas. Mais là je vais rentrer chez moi, mais moi je retire la veste, vous voyez. Vous, aux cheveux, vous pouvez pas y retirer, ils sont comme ça, vous voyez. Ah oui, mais j'en dirais autant pour votre gueule, hein, du coup. Allez, salut. Connard. Et sinon, tous êtes mal lumés comme ça, là. Non, mais vraiment, hein, vous, Kid, je sais pas si c'est l'argent qui vous rend con, hein, mais c'est terrible. Hein. Et je vais même rajouter un truc. Je vais pas faire quelque chose qui me déplaît pour me rendre dépressif comme la moitié des agents expédiés. À tout bien tout honneur, bien sûr. Ok. Du coup, là, vous dérogez pas au truc que vous pensez que vous avez bien fait et vous ne feriez pas différemment aujourd'hui, quoi. Non. La vision, si elle convient pas, je vous dis, y a pas de souci. Je m'en fous. Enfin, vous me virez, voilà, basta. Mais, très honnêtement, capitaine, je vais avoir une médaille du mérite, je vais avoir une deuxième médaille, je suis multimillionnaire, moi j'ai plus rien à prouver, quoi. Ah oui. Bah oui, donc c'est pour ça, si ma vision elle... Donc, tenez, je suis le malandrin, je suis le malandrin. Voilà. Donc, l'inspecteur qui est le malandrin, qui va se mettre à courir, non, je veux pas me faire avoir, je veux pas me faire avoir. Ah, je vais détériorer le matériel, regardez. Ah, détérioration de matériel, c'est ce qu'on a, sinon je me dois d'intervenir, regardez. Oh là là. Hop là. Ah ouais, c'est vrai que je l'ai plagié, j'ai un coup de matraque dans la tronche, mais je l'ai plaqué. Impressionnant. Je vous le refais en ralenti. Oh, ah non, faut que j'aille chercher. J'ai plus à bouffer là, faut que je gueule aussi là. On fait des trucs périmés là. C'est pas illégal ça? D'accord, d'accord. Mais je vais me renseigner savoir si c'est légal ou pas, oui, tout à fait. Merci, monsieur Cooper. Au revoir. Connard Ça va aller, Kid, respirez. Ça va aller. Ah, vous êtes millionnaire, c'est pas grave, qu'est-ce que vous en avez à foutre de 300 000 de... maintenant? Je vais boire un coup. Disquette. Ouais. Allez. Si c'est quelqu'un qui est domicilié à Los Santos, ou peut-être voir avec la mairie, non? Oui, bonjour, c'est le livreur de pizza. Voilà, très bien, impeccable. Voilà, maintenant il peut téléphoner. Ah oui, ça tient, ça. Ah oui, ça tient de ouf. Ah, par contre, faut boire pendant que vous êtes au téléphone, du coup. Bah, faut que je boive un truc à chaque fraise, quoi, pour bien m'hydrater la voix, quoi. Je n'ai pas trouvé Remusin tout seul. C'est grâce à toutes les forces de l'ordre. Qui ont agi sur le terrain et non en rédigeant des rapports ou des torchons en PDF ou en PowerPoint, bien sûr dans les bureaux. Le terrain est un travail de fond, il est important, c'est un vrai travail. Cette médaille, c'est aussi un beau pied de nez à tous ces technocrates qui passent leur temps dans leur bureau. Et aussi pour la jeunesse de Los Santos et de San Andreas. Bien sûr, cette jeunesse peut traîner aussi dans les bas quartiers, mais ces médailles peuvent leur donner de l'espoir pour leur futur. Tous les citoyens et même la jeunesse peut compter sur les forces de l'ordre qui font un travail formidable, nuit et jour bien sûr. Et donc je voudrais finir par remercier le commissaire Balesto bien sûr, le capitaine Dicon.